Bon, l'obésité est un problème de santé publique important dans nos sociétés. Et un des problèmes de l'obésité, c'est pas seulement l'apparence, mais les conséquences pour la santé de l'obésité. On pense en particulier au diabète, aux apnées du sommeil, aux complications cardiovasculaires, au cancer. Et donc, un des objectifs du CSO, c'est de faire comprendre aux patients justement l'impact qu'a l'obésité sur ces problèmes de santé et comment la prise en charge de l'obésité peut permettre la résolution de ces problèmes de santé et éviter les complications pour leur avenir tout en améliorant leur qualité de vie. L'obésité est une maladie complexe, c'est-à-dire qui, dans sa genèse, fait intervenir d'extrêmement nombreux facteurs. Il y a donc tout un tas de spécialistes qui sont susceptibles d'intervenir. L'éducateur en activité physique, la psychologue, la diététicienne, différents spécialistes médicaux. Et il est important de bien cerner chaque personne pour voir quel est le meilleur circuit à lui proposer. Dans les centres spécialisés obésité, on regroupe l'ensemble des disciplines qui va permettre de se centrer sur la personne et de proposer à chacun le circuit qui est le plus adapté à son cas. Avec un autre médecin qui m'a guidé ici, mais juste ici à La Péronie. Et du coup, tu vois, j'ai été hospitalisée une semaine et j'ai appris énormément de choses ici. Mais les calories, tout ça, je ne connaissais pas. On m'a fait tous les examens ici. J'étais vraiment prise en charge, ouais, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, les internes, il y avait tout un staff entier à notre disposition. Donc on a eu beaucoup d'activités portées sur l'information au niveau de la nutrition, au niveau du sport, des activités qu'on pouvait faire. Donc oui, on a eu. On est très très bien entourés.